Audio Jungle. Ne crains rien, je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. C'est avec ce passage de Ésaïe 41, verset 10, que nous débutons cette émission. Hosanna, mesdames et messieurs, je vous dis shalom. Bienvenue à ce nouveau numéro de cette émission. Je suis tellement content de vous compter aujourd'hui parmi les vivants, c'est par la grâce de Dieu. Votre émission Hosanna est une émission qui vous expose la parole de Dieu à travers les différents hommes de Dieu et servants de Dieu qui se défilent au sein sur ce plateau de cette émission. Aujourd'hui, nous avons un grand plaisir de recevoir pour vous une maman. Je l'aime beaucoup, je l'ai connue à Radel, camp de Dieu. C'est là où un prophète m'avait invité, le prophète Raoul. J'ai assisté, j'ai vu sa prestation, c'était vraiment wow. Et la gloire de Dieu s'est répandue ce jour-là au culte. C'est vraiment magnifique. Aujourd'hui, par la grâce, nous sommes avec elle sur ce plateau qui va nous parler sur sa carrière musicale ainsi que sa nouvelle chanson qui vient à peine de sortir depuis le 27 juin. Maman Isha, je vous dis shalom. Shalom. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Okay. Dieu fait grâce. Nous sommes heureux de vous compter dans cette émission, Hosanna. Le plaisir est partagé. Voilà. Aujourd'hui, nous allons essayer un peu d'entretenir avec vous sur ces deux points, votre carrière musicale, ainsi que votre nouvelle chanson qui était sortie depuis le 27 juin, Je n'écris aucun mal. Un joli titre, ça nous dit beaucoup. Je crois que tout au long de cette émission, nous aurons le temps de parler sur ça. En commençant, il y a beaucoup de gens qui m'ont posé la question quand j'ai posté votre intervention d'aujourd'hui sur mon statut. Ils ont dit, ah, Isha Kiss, est-ce que c'est vraiment une Congolaise? Les gens se posent la question, est-ce que Isha Kiss, c'est vraiment votre nom complet ou bien c'est un sobriquet? Effectivement, Ishakis vient de Ishakisal. Ishakisal. Isha, okay. C'est mon prénom, c'est en hébreu, ça veut dire Ève, la première créée. Okay. Et Kisalu, c'est mon nom de famille, ça veut dire travail. Voilà. Je crois que, pour la grâce de Dieu, vous avez connu le nom complet de maman Isha, c'est Ishakisal. Et Isha signifie la créature parfaite de Dieu. Voilà. Maman Isha, aujourd'hui, nous allons, avant de commencer, avant d'entrer vraiment dans notre vif du sujet, nous voulons savoir qui est maman Isha. Maman Isha, bon, c'est une question qui est vaste, mais je vais simplifier. Maman Isha, okay. C'est une femme mariée, okay. Et qui est mère de 5 enfants, 3 garçons et 2 filles. Okay. Et maman Isha sert le Seigneur dans la musique, la louange et l'adoration. Et à part ça, je suis employée dans une entreprise de la place. Okay. Voilà, c'est ça, Maman Isha. Elle a donné tout ce qu'elle est. Et je crois que par la grâce de vous avez retenu. N'oubliez pas vraiment. Si vous avez oublié, n'hésitez pas d'écrire dans notre commentaire au bas de l'écran, écrit ou bien dans notre numéro. Elle va encore y revenir, hein, par la grâce de Dieu. On croit vraiment à ça. Vraiment, Isha, je crois que vous n'êtes pas né chrétien. Et je crois que c'était par la grâce de Dieu que vous êtes devenu chrétien aujourd'hui. Nous voulons savoir comment était votre conversion. Alors, je me suis convertie en 1998. Et j'étais invitée dans une église de la place, l'église de la Trinité, chez le pasteur Massouak Arguiné. Et c'était une réunion de la jeunesse, il y a des amis qui m'avaient invitée là-bas. J'ai suivi la prédication et le message m'avait beaucoup touchée, m'avait beaucoup bouleversée et m'a fait rendre compte de qui j'étais, l'état dans lequel je me trouvais et du grand besoin que j'avais d'avoir Jésus dans ma vie. Et c'est ce jour-là que je me suis convertie, que j'avais reçu le Seigneur comme sauveur, comme mon Seigneur et mon sauveur. Voilà, là c'est le témoignage de maman Isha, c'est vraiment édifiant. Voilà, maman Isha, nous voulons savoir comment vous avez débuté votre carrière musicale. Alors, quand j'ai commencé à fréquenter l'église de la Trinité, j'aimais beaucoup voir les gens chanter, les choristes m'émerveillaient beaucoup. Et il est arrivé au moment où Dieu m'a conduit à l'église Logos Rema, là où j'ai évolué une bonne partie de ma foi chrétienne. C'est là vraiment que j'ai grandi. J'ai été là-bas sous l'encadrement de l'archevêque Diamant Kalonji. Et quand je suis arrivée dans cette église, la chorale, toujours, c'est le point qui m'a toujours attirée quand je suis arrivée là-bas. Pourquoi le protocole, c'est même la chorale? Je ne sais pas, mais j'ai aimé la musique depuis déjà ce moment-là. Okay. Et chaque fois que les gens chantaient, les choristes chantaient, j'étais toujours touchée. Je me disais, j'ai envie de chanter comme eux. Okay. Et il est arrivé donc qu'il y ait eu un recrutement dans la chorale et je suis allée. Je suis allée et là, j'ai commencé mes premiers pas dans la chorale Logos Rema Music, qu'on appelle l'OREM. Okay. Et c'était sous l'encadrement
du maestro Michel Kaninda Tshibangu, qui plus tard va devenir mon mari. Voilà, là, c'était à quelle année? Là, c'était en 1999. Donc, 99, ok. oui, donc j'ai commencé là-bas. J'ai Une année commencé. après votre conversion. Exactement. Donc, c'est là que je suis restée. J'ai commencé à chanter dans la chorale. Le maestro Michel nous a formés, il nous a encadrés pendant tout ce temps-là. Et c'est depuis alors que jusqu'à ce jour que je sers dans la musique. Je suis restée dans la chorale pendant un temps jusqu'en 2019. Et quand je suis arrivée en 2019, c'est là que le Seigneur a commencé maintenant à dessiner clairement ce qu'il fallait que je fasse par rapport à l'appel, par rapport à la chanson, sortir mon premier single qui s'intitule Mon Santo. C'était en quelle année? Ça, c'était en 2020 que 2020, c'est ok. sorti, donc l'année passée. Et donc j'ai commencé à travailler sur mes chansons en 2017, mais sans pour autant savoir quand exactement j'allais les sortir. Mais donc le premier opus est sorti en 2020, c'est mon Santo. Donc j'ai travaillé, j'ai Toujours en fonctionné. solo. Le premier opus, oui, en solo, mais dans la chorale, j'ai été dans la chorale, donc dans une communauté. Et c'est seulement en 2020 que j'ai commencé à travailler, j'ai commencé ma carrière solo. Musical en Voilà. solo. Est-ce que Maïcha a un orchestre ou bien un groupe musical qui l'encadre? Oui. Nous avons une merveilleuse équipe qui est composée de quatre chanteurs jusque-là et quelques instrumentistes. Et nous évoluons avec eux. Ce sont des jeunes gens qui aiment le Seigneur et qui travaillent durement. Donc jusque-là, c'est l'équipe qui m'accompagne. Voilà, Maïcha, ça a fait 22 ans la carrière musicale, si je comprends, depuis 1999 Exactement. jusqu'à aujourd'hui. Oui. Waouh, c'est merveilleux! Voilà, La grâce de maintenant Dieu. nous allons passer à un point tellement capital, c'est vraiment un point qui est dans l'actualité. La nouvelle chanson, Je ne crains aucun mal, qui vient à peine de sortir le 27 juin à 18h. C'était Oui. un dimanche. Oui. C'est pourquoi ce jour-là, le dimanche? Ah, c'est un jour magnifique. C'est soi-disant le jour du Seigneur, mais pour nous, le jour du Seigneur, c'est tous les Tous les jours de jours, nos ok. vies. Et pour nous, c'est un jour particulier parce que généralement, les gens sont à la maison à ces heures-là. Les gens sont un peu plus calmes. On a fini les activités. On sait qu'on a facilité d'accéder aux réseaux sociaux pour voir quelque chose. Voilà. Maïcha, pourquoi seulement vous avez choisi le titre Je ne crains aucun mal? C'est là un lien avec votre vie ou bien. Oui, effectivement, Je ne crains aucun mal, c'est une chanson que j'ai écrite en 2017. Et pendant ce temps-là, mon mari était très malade. Et la situation était vraiment critique. On était un peu comme désespérés. Oui, il faut le dire, il faut qu'on soit sincère, franc devant le Seigneur. Parce que quand on s'approche du Seigneur, on a beau cacher nos sentiments, mais Dieu, il voit tout, il connaît réellement ce qu'on traverse. Et pendant ce moment-là, je peux dire qu'on était vraiment au bout du rouleau, on était contre mur. Mon mari était très malade, il souffrait d'une hernie discale. Et il fallait absolument l'évacuer de Kinshasa parce que la situation était devenue très critique. Et c'était un temps pour moi, je n'avais jamais entendu parler de cette maladie, c'était la première fois pour moi. Et tout ce que ça nécessitait, tout ce que ça engageait en termes de finances, en termes de logistique, en termes spirituels, tout ce que ça allait demander comme sacrifice. Quand je regardais ça, je me disais, je ne vois pas d'ici, je ne vois pas comment on va faire. Et en même temps, j'avais peur en ce moment. Et c'était vraiment pénible, c'était une situation très difficile. Et en ce moment-là, le Seigneur m'a inspiré ce cantique et j'ai commencé à l'écrire. Et le Seigneur a permis que mon mari soit rétabli, qu'il soit guéri. Et il m'a fait comprendre ce qu'était sa présence, ce qu'était à vivre la présence de Dieu pendant les moments difficiles. Et c'est là que mon cœur s'est laissé aller dans les flots de l'inspiration pour écrire, oui, cette chanson. Je ne crains aucun mal parce que Dieu est là malgré la situation, qu'elle soit difficile. Aussi dur que possible, aussi impossible aux yeux des hommes, mais devant Dieu, il n'y a aucune impossibilité qui Wow. subsiste. Et c'était juste Super. merveilleux d'avoir Dieu à Magnifique. tes côtés pendant les temps difficiles. Voilà. Voilà, peu importe les difficultés, peu importe ce que tu es en train de passer ce dernier temps, Maïcha a dit, ne crains aucun mal, car ton Dieu est avec toi. Oui. Il va te rassurer Amen. et il va assurer ta protection. C'est un bon Amen. berger.
C'est un bon berger, il ne mange jamais. S'il a fait avec Mama Isha, pourquoi pas toi aussi? Tu peux aussi le faire, c'est possible. Mais chez votre chanson, ça cadre un peu avec la nouvelle chanson de Mama Nadej. Donc, on sait l'anglais de l'autre côté. Et qui a un abri qui Oui, manque? hein, Dieu, il travaille dans les saisons. Il sait Vraiment. pourquoi il communique ce genre de message dans ce temps-là. Il y a toujours quelqu'un, il y a une catégorie de personnes qui en ont besoin dans ce moment-là. Voilà. Vraiment. Votre chanson, j'ai compris que ces projets a pris au moins 3 ans de préparation. Voilà, à présent nous allons passer un petit moment de transition. Nous allons écouter cette chanson, je l'écris en Kiemal, et puis nous allons revenir ici sur ce plateau. La régie, basse sur cette chanson. Des cris, des pleurs, tout est sec et amer. Mais dans un cœur comme le mien, ta parole comme du miel donne la saveur à ma vie. Et lorsqu'elle jaillit comme une source de vie, elle fait tout reverdir. Je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Je ne crains aucun mal tant que je respire, car pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Je sais que ça a l'air difficile, la grandeur de tes défis, le poids de ta douleur. Mais un trésor est en toi, c'est le plus précieux de tous, c'est la parole de Dieu. Crois-le de tout ton cœur, elle te fera reverdir. Voilà, nous venons d'écouter cette merveilleuse chanson, Je ne crains aucun mal, une chanson qui nous édifie. Vraiment, quand j'ai eu le temps de l'écouter moi-même hier soir à la maison, j'ai vraiment consacré du temps. J'étais vraiment béni. Avec ce que je suis en train de traverser, Dieu m'a vraiment fortifié encore. Il m'a rassuré que la victoire est certaine. Peu importe ce que je suis en train de traverser. Tout l'Inde, Zambata, Jésus gagne toujours. Voilà. Une belle chanson, Maman Isha, vraiment que Dieu vous bénisse Merci, soyez abondamment bénis. pour cette chanson. À part votre chaîne YouTube, est-ce qu'il y a aussi des plateformes que vous avez disposées pour que nous puissions télécharger cette chanson? Ou bien s'il y a des points de vente que vous allez mettre les CD à notre disposition pour que nous puissions vraiment le mettre dans nos maisons afin de l'écouter à tout moment. Déjà, on peut commencer par YouTube. Bien. Donc, il y a ma chaîne YouTube qui a disponibilisé la chanson. Mais sinon, si vous voulez également la télécharger, vous pourrez aller la trouver. Elle va monter sur musique RDC.org très bientôt. Et de là, vous pourrez également télécharger la chanson et la voir sur vos téléphones et tous les devices que vous voudrez. Mais sinon, vous pouvez aller voir Miss Maman Isha sur Facebook également, Isha Kiss. Si vous tapez Isha Kiss dans toutes mes plateformes, vous me trouverez sur ce nom-là. Voilà, Maïcha a donné déjà ses coordonnées pour trouver la chanson. C'est simplement facile. Dans sa chaîne YouTube, Ishakis, c'est ça? Oui. Ok. Aussi, c'est sa page Facebook. Je suis déjà balancé là-bas. Une fois que vous entrez, vous allez directement télécharger. Et ça ne pèse même pas trop, même si on n'a pas assez de mégas. Tu as la disposition d'avoir la chance. Maman Isha nous a facilité la tâche. C'est une grâce. Voilà. Maman Isha, quels sont vos projets à long terme après cette nouvelle chanson? Comme je l'ai dit précédemment, c'est depuis quelques temps, quelques années que j'écris mes chansons et elles sont en studio. Et par la grâce de Dieu, nous y allons un pas après l'autre, à notre rythme. Et donc après, je ne crains aucun mal, il y a un autre titre qui va venir, c'est Tu es si beau. C'est moi cette année. Oui, cette année. Ok. Cette année, nous aurons, par la grâce de Dieu, en tout cas, ça sera une surprise. Je préfère ne pas annoncer L'annoncer les maintenant. nombres des chansons qui vont venir. Ok. Nous allons faire confiance au Seigneur et continuer à le servir de tout notre cœur et croire que les chansons que nous sortons vont bénir le peuple de Dieu parce que c'est vraiment ça l'essentiel pour C'est moi. ça. Voilà, attendons-nous à une grande surprise cette année avec Mama Isha. Il y a, à part Je ne crains aucun mal, il y a encore d'autres chansons qui vont venir avant le mois de décembre. Nous allons encore les consommer en abondance. Donc, ce qu'on dit toujours, l'abondance, le bien ne nuit pas. Donc, nous Amen. travaillerons encore, Dieu va vraiment nous bénir. Mama Isha, attendons-nous à des concerts ou bien à des prestations cette année dans les églises? Alors, les concerts, les prestations, on évolue avec ce que Dieu nous permet de faire au moment où il le permet.
Pour l'instant, nous sommes tous dans les mesures barrières, les restrictions. Nous sommes obligés de respecter cela, ce qui fait que pour l'instant, il n'y a pas de production artistique. Mais au moins, lorsque nous sommes en ligne, nous sommes sur les réseaux sociaux, il y a toujours possibilité de faire ce qu'il y a, de pouvoir servir le Seigneur, de mettre des chansons. J'ai des moments que j'appelle worship moments. Si vous allez sur ma chaîne YouTube, hashtag Isha Official. Si vous allez dessus, vous allez trouver tous les moments d'adoration que nous avons souvent. Ce sont des lives que nous faisons avec l'équipe. Oui. Donc, vous allez les trouver là-bas. Ce sont des prestations que nous avons, à part les chansons que nous sortons sur YouTube. Nous avons quelques activités qui vont venir. Mais comme je l'ai dit, chaque chose en son temps, selon que Dieu va nous permettre. Voilà, moi, Isha, une fuite, c'est entre Bissot. Et puis là, tout le monde, parmi les surprises qui vont sortir cette année, il y aura aussi des featuring. Les featuring font partie du programme de Dieu. Oui, c'est ce que je vais dire parce que on ne fait pas les featuring pour le plaisir de les faire. On fait parce que Dieu veut qu'on les fasse. On les fait parce qu'on en ressent le besoin. Il faut pas qu'on aille parce que j'ai juste envie d'aller me mettre avec tel artiste de le faire. On le fait si le besoin est réel et si c'est vraiment ce qu'il faut faire et si Dieu l'approuve, on le fait. Donc, si ça viendra, vous serez au courant. Mais nous croyons que ça peut venir. Ça peut venir, pourquoi pas? J'ai beaucoup de frères et sœurs qui chantent pour le Seigneur et avec qui je serais ravie de me mettre ensemble et de travailler pour Dieu. Voilà, parmi les surprises, attendons-nous aussi à un featuring. On ne sait pas la personne. Seigneur. C'est un inconnu, mais on sait quand même, peut-être, pour la grâce de Dieu, qu'on aura un featuring. Je crois que Dieu va aussi nous bénir encore sur ça. Amen. Moi, Isha, est-ce qu'il y a un artiste, musicien, chrétien, qui vous a beaucoup inspiré, vous a marqué, qui vous considère même aujourd'hui comme un modèle, ici au Congo, même à l'international, ça ne dérange pas. Je crois que cette question, ça ne vous a pas lésé. Non, non, pas du tout. Il y en a. Qu'est-ce que ça va avoir de mal de reconnaître les bienfaits que les autres apportent dans nos vies? Je ne sais pas si je vais arriver à citer un, parce qu'ils sont nombreux. Bon, ils un sont exemplaire. Nombreux. Ils sont nombreux, il y a beaucoup d'artistes. Ici au Congo, il y a le couple de Atom Senadège, il y a la sœur Dena, il y a la sœur Annie Singa, il y a la sœur Sandra Mbouyi. Ils sont nombreux, en tout cas, ils sont nombreux. À l'étranger aussi, beaucoup, parce que moi j'ai beaucoup été inspirée de la musique étrangère, ce qui a été la base de mon travail. Dans mes moments de formation, je me suis beaucoup inspirée de la musique étrangère, particulièrement ce sont les Hillsong. Donc avec Darlene, l'équipe là, donc ce sont des gens qui m'ont beaucoup inspirée. L'artiste qu'on appelle Cici Winans. Il y a beaucoup de gens. Qui ont touché mon cœur, qui m'ont modélé, qui ont impacté ma carrière. Est-ce que Mama Isha a fait l'étude de la musique ou c'est juste un talent inné que Dieu vous a doté de cela? Bon, on va dire que je ne suis pas allée à l'université ou à l'école pour apprendre la musique. J'ai appris ça à l'église, sous la formation, l'encadrement du maître Michel qui est devenu pasteur, le pasteur Michel Chibangu, c'est lui mon encadreur, c'est lui qui m'a formée. Et on va dire aussi que je me suis moi-même équipée en suivant beaucoup, 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 beaucoup de formations moi-même personnellement. J'avais mes formations personnelles à moi, donc voilà. Avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il ne va pas aller toucher mes cordes vocales, c'est moi qui dois les travailler. Le Saint-Esprit, il a le travail qu'il doit faire. C'est vrai qu'il peut faire des miracles, toucher les cordes vocales pour que le son soit parfait, mais en grande partie, on va dire que c'est nous qui travaillons, le talent que Dieu nous a donné, et le Seigneur vient impacter ce don-là avec une onction particulière pour que ce travail-là le représente réellement. Savoir des effets. Ça va à la prière. Voilà, voilà. Voilà, comme Maïcha a dit, les Saint-Esprit nous inspire. Moi, j'ai toujours l'habitude de le dire, travaillons comme tout dépend de nous et prions comme tout dépend de Dieu. Et notre résultat sera parfait et ça va aussi toucher ceux-là qui sont autour de notre communauté. Maïcha, nous sommes déjà presque à la fin de notre émission. C'est pour moi un grand plaisir de vous voir dans cette émission. Je crois que ce n'est pas la dernière fois. Donc, on vous revoit encore. Voilà, pendant que vous êtes en train de parler sur votre parcours musical, pour votre conversion,
Je crois qu'il y a un bien-aimé qui nous a suivis minutieusement, qui s'est dit actuellement comment faire. J'ai une belle voix, mais j'aimerais aussi un jour chanter comme Mama Isha, parler de la part de Dieu aussi, mais je n'ai pas assez de force. J'ai des difficultés, j'ai des péchés même qui m'accablent, qui m'ont besoin de donner ma vie à Christ. Si vous pouvez aider cette personne, regardez la caméra, donnez un message de réconfort et aussi prier pour cette personne, regardez la caméra. J'aimerais encourager donc mes bien-aimés qui me suivent pour vous dire que la porte au salut est ouverte à tout le monde. Et j'aimerais te fortifier pour te dire que malgré les situations que tu peux traverser, même si c'est très difficile, même si ce sont des gros défis à tes yeux, que ça semble être impossible, mais il y a quelqu'un qui a la renommée de relever les plus grands défis du monde. Et je pense que tu peux simplement lui faire confiance. Et cet homme-là, c'est Jésus. Si aujourd'hui, tu lui ouvres la porte de ton cœur, il sera capable, comme il le dit dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Il vous donnera le repos. Il va alléger ton joug, il va alléger tes fardeaux. Il est là pour ça. Et j'aimerais, là où tu te trouves, si tu es d'accord avec moi, pour que ton cœur soit sa demeure, alors il fera des grandes choses avec toi. Nous allons prier ensemble. Là où tu me suis, tu vas juste répéter après moi. Seigneur Jésus, je te reçois dans mon cœur, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. J'ai longtemps vécu dans le péché, dans la boue du péché, dans le mal, mais aujourd'hui, je réalise que tu es mort à la croix pour moi, pour que je sois sauvée et que je sois délivrée. Je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je dis non à Satan et à toutes ses œuvres pour aujourd'hui embrasser la vie de l'enfant de Dieu. Et je crois, Seigneur Jésus, que tu opères des miracles dans mon cœur ce soir, ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que tu es mon sauveur, parce que tu es mon Seigneur personnel. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ces moments. C'est pour nous vraiment une grande joie de vous recevoir dans cette grande famille chrétienne. Et moi, vraiment, je vous dis, soyez, pas moi, c'est ma belle maman Isha, soyez les bienvenus. Ici, dans cette famille, vous n'aurez jamais la déception. Amen. Jésus ne déçoit personne. Yes. Partir du moment, Dieu t'a déjà rempli de son amour. Et le bonheur pour toi est assuré. La paix même, on n'en parlera même pas. Parce que Oui. Dieu nous donne une paix qui surpasse toute Amen. intelligence de l'être humain. Yes. Donc, moi je te dis, crois en Dieu. Dis comme Mama Isha, je ne crains aucun aucun mal. mal. Le diable ne fera rien du tout. Bah, Car on fait les jours aujourd'hui, aussi. bon, c'est l'autre, qu'est-ce que nous Vraiment. devions? Car aujourd'hui, Jésus est entré dans ta vie. Waouh, pour nous, c'est vraiment Amen. une grande. Mama Isha, merci beaucoup pour Merci votre à vous, Père intervention. Jésus. Et je crois, est-ce que vous pouvez vous donner les coordonnées? Je crois qu'il y aura une personne qui peut-être aura besoin de te contacter. Oui. Alors, vous pouvez me joindre à mon numéro personnel au 084 20 046. 084 20 046. Sinon, je suis sur Facebook, je suis sur Instagram, sur YouTube. Je suis dans les mêmes noms. Oui, Isha Kiss, c'est partout pour Facebook. Pour Instagram, c'est Isha Official. Ici, Même official. chose pour YouTube. YouTube. Voilà. Merci beaucoup pour tous qui nous ont suivis. N'hésitez pas à écrire votre témoignage ou commentaire. Vraiment, ça va nous édifier encore. Et si vous avez des suggestions, des appréciations, des commentaires, n'hésitez pas, faites-nous dans notre numéro qui est au bas de l'écran. Nous en avons vraiment besoin de ça et ça va vraiment nous aider. Je dis un grand merci à toutes les personnes qui nous ont suivis, à notre caméraman grâce à Ngongo, à mon frère, le caméraman Monter, Paul Twinté, et aussi à notre réalisateur LK, qui n'est pas ici, mais je crois qu'il fait un bon travail. Et aussi un grand merci à notre cheptel, notre patronne, notre boss, maman Nathalie Loco depuis la Belgique. Je vous dis vraiment un grand merci pour ce grand travail que tu es en train de soutenir pour que l'œuvre de Dieu puisse aller en avant et que la bonne nouvelle soit propagée. Quant à moi, je vous dis au revoir et on se voit à la prochaine. N'hésitez pas à s'abonner et aussi d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos nouvelles vidéos qui vont être diffusées cette semaine. Quant à moi, je vous dis au revoir et on se voit à la prochaine. Merci. Bye. Bye.